coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 6 novembre. Alors on est reparti pour une nouvelle journée à New York. Dans le vlog d'hier, ce matin on a pris notre temps, là il est 9h30, on quitte l'hôtel, on va aller prendre un petit déjeuner rapide et ensuite direction, on passe devant l'ONU, Grande Centrale. Devant l'ONU, Grande Centrale et la librairie. Ensuite on mangera chez Whole Food et cet après-midi on fait le musée d'histoire naturelle. Voilà le petit programme du jour. Petit déjeuner, on va essayer plutôt healthy ce matin. De ce côté c'est des pancakes, je vais en prendre un je pense. Aussi, aussi, hein. Ouais. Et moi je suis partie sur un yaourt et des fruits parce que là mon bidou il en peut plus. Je vais quand même lui prendre un pancake. Bon du coup Grande Centrale c'est vraiment une fourmilière, je vais essayer de vous montrer ça avec un petit timelapse. Au niveau de toute la restauration, vous avez juste ici le Oyster Bar et la galerie où je me trouve qui s'appelle la Whispering Gallery. En fait, c'est un endroit dans Grande Centrale qui vous permet, en vous mettant dans un coin et une personne dans le coin opposé, vous chuchotez des mots et en fait, vous allez vous entendre. C'est hyper bien fait. C'est la voûte qui permet cette prouesse. Les deux lions qui sont à l'entrée de la Public Library s'appellent Patience et Fortitude. Bon du coup on est à la New York Public Library et en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez prendre un audio guide, les audio guides sont gratuits, la visite dure entre 30 et 45 minutes et il y a la possibilité de mettre l'audio guide en français. Donc on va faire la visite de la librairie avec les audio guides et ça c'est plutôt appréciable, on est content. Donc on est parti pour 30 à 45 minutes. Donc là on est dans l'espace pour les enfants de la bibliothèque et regardez, c'est les vraies peluches de Winnie l'ourson. C'est les peluches qui a été offertes à Christopher Robin pour son anniversaire. Donc il y a Winnie l'ourson, Bourriquet, Maman Gourou, Tigrou, Porcinet. Oh, c'est génial. C'est les vrais. On vient de terminer la visite de la New York Public Library et franchement on est content d'avoir pris les audio guides parce que si on n'avait pas fait, il y a des salles qu'on n'aurait pas découvertes, dont la salle où il y a les peluches de Winnie l'ourson et moi je suis trop contente d'avoir vu ça. Voilà, donc franchement on recommande, s'il reste des audio guides, parce que vu qu'ils sont gratuits ça dépend s'ils sont disponibles ou pas, bah prenez-en un et faites la visite, ça passe hyper vite. Du coup on a terminé de manger, on a mangé chez Whole Food à midi, comme ça on s'est fait des petites salades et là on est au musée d'histoire naturelle, c'est le musée qu'il y a dans la nuit au musée. Donc on va faire ça cet après-midi, il pleut plus mais vu qu'il fait pas très beau, ce sera très bien. Thank you.
ça. Du coup, la question que je me suis posée quand j'ai vu tous ces animaux, c'est est-ce que c'est des faux ou est-ce que c'est des vrais? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est quand même très beau. Et donc en fait, ce sont des vrais. Donc là, par exemple, on est devant un spécimen de caribou. Donc c'est pour ça en fait d'ailleurs que tous les animaux qui sont placés derrière des vitres, des vitrines, c'est pour les protéger en fait de notre CO2 qu'on rejette, pardon. Bah parce que du coup c'est des vrais animaux, donc ça pourrait les détériorer. Et du coup tous les animaux qui ne sont pas derrière des vitrines, ce sont des faux. Parce que du coup maintenant la taxidermie ça se fait plus. Là par exemple vous voyez que le caribou a été offert par Madison Grant parce que justement en fait c'était dans des collections privées et le musée les récupère. Parce que la taxidermie était très populaire il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup de spécimens qui sont faits en taxidermie, donc le musée les récupère. Ils tuent pas des animaux pour les mettre dans le musée, voilà. Mais voilà, donc c'est quand même impressionnant parce que du coup tous ceux qui sont derrière les vitres, donc tous ceux qui sont dans cette exposition là, donc les loups, les ours, tout ça, c'est tous des vrais. Donc là on est à l'étage des dinosaures dans une des salles, mais la salle principale où il y a le T-Rex est fermée, ils sont en rénovation. Je suis trop triste, il va falloir que je revienne. Oh, il y a une Trixie là-bas, trop bien. Je pense que ça dépend des animaux au niveau de s'ils sont abîmés ou pas par le dioxyde qu'on rejette. Parce que là, par exemple, c'est écrit sur la pancarte qui est le taxidermiste qui a préparé ces animaux. Donc là, c'est bien des vrais éléphants. Et ils sont à l'air libre. Donc c'est à vérifier. Ne retenez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ce qui n'est pas une bêtise, c'est qu'il y a des vrais animaux en taxidermie dans le musée. On est à l'étage des reptiles. Bon, ouais, ils sont morts aussi, hein, mais... L'autre, là-bas, ils protègent chez eux, là. Alors, pardon pour ceux qui aiment les serpents, mais moi, je déteste ça. Hein. Non, ça me... Bleh. Et là, du coup, on a un cobra. Genre, t'as essayé de me faire peur. Bon, du coup, le musée d'histoire naturelle, c'était très bien. J'ai bien aimé, sans plus. Voilà, c'est un beau musée. C'est quand même à voir, mais c'est pas le coup de foudre. On est rentré vite fait à l'hôtel pour se poser un petit peu. Avant, on a fait un petit peu de shopping. On a rien acheté, on a juste fait des magasins du coup. Et là, on repart. Donc, ce soir, on va manger dans une pizzeria qui s'appelle Ruby Rossa. Donc, si jamais vous voulez y aller, il faut réserver parce qu'il y a pas mal d'attentes. Donc, on voulait pas faire une heure et demie de queue. Donc, on a préféré réserver. Donc, on a une table pour 9h15. Et du coup, on retrouve deux amis. Donc, moi, c'est deux collègues de travail à Disneyland Paris. J'avais bossé avec eux sur Crush Coaster. Et on a gardé contact depuis. Et là, ils sont à New York en même temps que nous. Donc, j'aurais proposé qu'on mange ensemble. Donc, voilà. Et bah, je vous retrouve chez Ruby Rossa pour vous montrer la taille. Des pizzas. Regardez la taille des pizzas. Attends, il faudrait une main pour échelle, tu sais. Genre, Non mais c'est ouf. Bon, du coup, comme vous en doutez, j'ai encore oublié de terminer le vlog. Ça faisait quelques jours que j'étais bien, donc je me suis dit il fallait que je fasse une bêtise. Enfin, voilà, c'est pas grave, on a passé une très bonne journée. Hier soir, du coup, on a mangé chez Ruby Rossa. C'était très bon. Comme vous avez pu voir, les tailles des pizzas sont assez impressionnantes. Donc c'est pour ça qu'on en a pris une pour deux. Donc voilà, donc on avait deux pizzas pour quatre. C'était très bien, on a très bien mangé. Finalement, c'était pas si cher que ça. Au final, ça faisait 17$ chacun, donc ce qui est complètement raisonnable. Donc on recommande cette adresse. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle grosse journée. Voilà, demain on se relève tôt. En fait c'est ce matin, mais vous verrez ça demain. Donc là il est tôt. Et on est reparti. Du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut. En fait tu l'as fait exprès de m'emmener ici. Hein, hein.
Du coup, on a mangé au resto ce soir et regardez avec qui j'ai mangé. Avec Harmonie.